aussi bien chez les Séraphines que pour moi, ce besoin, avec la musique, avec les mots, de parler aux autres. Dans ce cube noir avec ses lumières et tout, je ne suis plus le même. Nous, ce qui nous a touché avec Pierre, c'est qu'on avait vraiment l'impression de raconter la même chose en fait que lui, alors que voilà, alors que tu montes pas un groupe de rock avec ton pépé quoi, tu vois. Il y a plein de tableaux qui se succèdent et c'est souvent que des envies spontanées. Il y a des percussions, guitare, il y a de l'électronique, il y a de tout. Ce qu'on s'est dit avec ce grand cube noir, c'est presque la cabane, quoi. C'est comme une cabane d'enfant. Quand je me vois tout entouré avec tous nos boutons et tout, et puis Jérémy qui tourne des lumières qui font comme ça, c'est le même principe qu'on a tous nos jouets. Techniquement, il y a voilà, multidiffusion, il y a de la vidéo projetée, des lumières. C'est que tout le monde puisse faire un peu son expérience à lui. Donc c'est juste le fait d'être voilà, sollicité, comme créer un monde quoi, sonore. Et c'est vrai que la multidiffusion, elle permet ça, quoi. Donc ça veut dire, très concrètement, là, il y a 8 enceintes. Il y en a au plafond, il y en a sur les côtés. Il y a nos sources sonores acoustiques aussi à nous, la Cora. Et il faut que le spectateur, il oublie qu'il est dans une boîte noire, en fait. Ces vidéos, voilà, il y a des tunnels, il y a des bestioles, c'est tout un monde, il y a des couleurs et tout. Et voilà, il faut qu'il s'oublie. C'est le voyage à travers les mots, les musiciens et aussi l'image. On est un peu à la frontière du kitsch sur plein de choses en fait, musicalement, sur les parties pris. Là c'était un projet très acoustique, hein, très folk, ça s'est décalé vraiment vers quelque chose de plus électronique, plus électrique quoi. Le fait que ce soit allongé, c'est vraiment fondamental aussi. On aurait pu les asseoir et avoir un gain de place, mais non, ce qu'on veut, c'est allonger parce que. Donc, il y en a qui m'ont dit que c'était en fait un léger état de transe quand tu commences un peu à t'endormir ou même que tu commences à partir dans ta tête, en fait, à réfléchir à autre chose, et puis tu te rends compte que quand tu reviens, que t'étais parti. On a vachement de mal avec le spectacle frontal, en fait. Enfin, on a vachement de mal. C'est pas notre truc, en fait. Ouais. Le fait que voilà qu'il y ait des musiciens sur scène et puis le public et puis qui applaudit, enfin c'est super aussi, mais c'est pas voilà, nous on voudrait faire quelque chose de plus immersif, ouais, une espèce de cérémonie comme ça sans grande pompe, hein, c'est pas, mais juste partager une expérience un peu spirituelle, ça devient un gros mot, c'est un peu galvaudé, mais hein, quelque chose d'un peu de cet ordre là ça va trop loin des fois, ça c'est fort, c'est voilà, on fait ce qu'on aimerait nous voir, quoi. Et en plus, par-dessus ça, il y a Pierre Champion qui est la pierre angulaire de tout ça, en fait. C'est
On pourrait pas se permettre ce jeu s'il n'était pas là, en fait. J'ai été très très influencé par tout ce qui a été écrit sur la nature, le sens profond de la vie des êtres, quels qu'ils soient. Autant l'arbre que l'oiseau, que n'importe quel autre animal ou que n'importe quelle autre plante. Elle dialogue avec les mots, avec les images. Elle interroge tant le présent que le passé ou le devenir. Elle invite à l'amitié, à l'amour, à l'espoir, au voyage, à l'échange, à la beauté. Elle prône liberté, raisonnable et sagesse. Elle permet le repos, la réflexion, la sérénité, la mélancolie.